ou plus précisément d'intervalles de nombres réels. Donc on peut considérer d'abord des listes finies de nombres réels. Par exemple, une liste dans laquelle il y a quatre nombres réels. Lorsqu'on considère l'ensemble qui contient ces quatre nombres réels, c'est-à-dire une liste euh, a priori fini ici de nombre mais on pourrait également considérer la liste suivante 1 2 3 4 et lorsqu'on en a indiqué suffisamment qui permettent de comprendre comment continue éventuellement de façon infinie cette liste donc on peut l'indiquer ainsi on peut également l'indiquer pour une liste finie mais très grande trois petits points je vais jusqu'à par exemple 999 voilà trois ensembles de nombres. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces trois ensembles de nombres? C'est que chacun des éléments qui fait partie de ces ensembles de nombres, chacun des éléments sont bien séparés les uns des autres. Ce qu'on appelle des listes. 2, 3, 4, 1, racine de 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même s'il y en a une infinité, je peux en faire une liste. Je peux faire, si je donne des noms à ces ensembles, par exemple ici le nombre A, si je considère la droite réelle, eh bien, en mettant ici une échelle, 4, 5, 6, etc. Moins 1, moins 2, moins 3. L'ensemble A qui est ici, je peux le représenter graphiquement de la façon suivante. J'ai le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4,1 qui serait juste ici un peu après 4, et le nombre racine de 17, qui serait lui aussi juste un peu après 4. Bon. Pas très facile de le représenter comme ça. Maintenant. Je peux considérer d'autres ensembles de nombres. Et cette fois-ci, je vais partir directement de ma droite réelle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Moins 1, moins 2, moins 3. Et je peux considérer les nombres 1, 2, 3, 4. 4, mais je peux aussi vouloir dire que je vais considérer tous les nombres qui sont entre 1 et 2, et tous les nombres qui sont entre 2 et 3, etc., et même tous les nombres qui sont entre 1 et 4. Donc, il y a comme ici une infinité de nombres, mais la différence, c'est que je ne peux pas en faire une liste. Parce que quel est le nombre qui est juste après 1 eh bien, le nombre qui est juste après 1, ça n'est pas 1,1, hein, ce n'est pas 1,01, ce n'est pas 1,001. C'est ce qu'on appelle la continuité. Savoir qu'il n'est pas possible de faire la liste de tous ces nombres. Le nombre qui est juste après 1, mais qui est différent de 1 en tant que nombre réel, est un nombre qui n'existe pas. J'ai donc besoin d'inventer ou de, de déterminer une notation qui me permet de considérer tous les nombres qui vont de 1 jusqu'à 4. Et cette notation, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Ça se note de la façon suivante. 1, Point virgule 4. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser les accolades, je vais utiliser des crochets. Mais il me reste à préciser quelque chose. J'ai décidé que je voulais considérer tous les nombres qui vont de 1 à 4. Mais est-ce que le 1 et le 4 sont bien compris dans cet ensemble de nombres Alors, je vais ici marquer avec un intervalle sous forme de crochet. L'idée que le 1 et le 4 sont des nombres qui sont bien compris dans l'ensemble que je veux considérer. Donc il faut penser au crochet comme une espèce de poignée qui attrape le nombre. Pour le 1, ici, lorsque je viens de la gauche, la poignée attrape le 1. Le 4, lorsque je viens de la droite, la poignée attrape le 4 aussi. Donc cette notion-là, avec le crochet qui attrape le 1 et le crochet qui attrape le 4, veut dire les nombre réel compris entre 1 et 4. 1 et 4 également inclus. Alors maintenant, ce qui est intéressant, plusieurs choses. Alors tout d'abord, supposons que je veux considérer tous les nombres réels compris entre 1 et 4, mais 1 et 4 pas compris. C'est-à-dire je veux vraiment les nombres qui sont strictement compris entre 1 et 4. Donc tous les nombres réels compris entre 1 et 4, mais 1 et 4 non inclus cette fois. Ben, je vais faire la même chose, je vais de 1 à 4, mais le crochet part vers l'extérieur. Graphiquement, ça voudrait dire que je prends tous les nombres ici qui vont de 1 jusqu'à 4. Il y a tous les nombres qui sont strictement plus grands que 1 et strictement plus petits que 4, mais il n'y a pas le 1 et pas le 4. Et je peux évidemment combiner les deux notations, par exemple en disant que je veux considérer tous les nombres réels compris entre 1 et 4. 1 est inclus, mais 4 n'est pas inclus. 1 est inclus, le crochet attrape le 1, tandis que le crochet n'attrape pas le 4. Dernière chose, attention, cette notation-là, 1 et 4, avec les accolades cette fois, qu'est-ce qu'elle veut dire ben, La notation avec les accolades, c'est uniquement l'ensemble qui contient uniquement 1 et 4. Donc les accolades, c'est une liste, il y a seulement la liste de ceux qui sont dedans, tandis que les crochets, c'est une quantité forcément infinie de nombres qui vont de la borne de gauche jusqu'à la borne de droite, les bords étant inclus ou non selon le type de crochet qu'on utilise. Ceci, ça s'appelle des intervalles. Au niveau du vocabulaire, si les deux bords sont compris, on appelle ceci un intervalle fermé. Si les deux bords ne sont pas compris, on appelle un intervalle ouvert. Et si l'un est ouvert et l'autre est fermé dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de vocabulaire spécifique. Je reprends mes quatre intervalles et je me rends compte qu'on peut également noter ceci de la façon suivante. Cet intervalle, c'est l'ensemble de tous les x appartenant à R, donc l'ensemble des nombres réels, barre verticale en mathématiques, tel que x est plus petit ou égal à 4, et en même temps, x est plus grand ou égal à 1. L'ensemble des nombres réels, tel que x est plus grand ou égal à 1, plus petit à 4, c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer par cette idée. Le suivant c'est l'ensemble des nombres réels tels que x est strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que 4. Le suivant, l'ensemble des nombres réels tels que x est plus grand, le crochet attrape le 1 plus grand ou égal à 1 et strictement plus petit que 4. Et enfin, ceci, ah ben... Ça n'est pas une notation de ce genre, puisque c'est seulement le nombre 1 et le nombre 4. Donc, on le laisse tel quel. La prochaine et dernière vidéo de cette petite série va vous montrer comment on va mixer cette idée de notation d'intervalle avec les notations précédentes d'union, d'intersection et de différence, qui est un exercice assez standard de ce chapitre. Mais avant ceci, encore. Une toute petite chose, supposons qu'on considère euh, sur la droite réelle, ici, avec son échelle, qu'on souhaite tous les nombres qui vont jusqu'à 1, 1 compris, et tous les nombres qui soient vraiment strictement plus petits, mais sans jamais s'arrêter, c'est-à-dire en allant euh, jusqu'à moins l'infini ici. Alors comment utiliser cette notion d'intervalle pour représenter ce genre de situation, ben c'est la même chose, je veux aller jusqu'à 1, 1 est compris, et je veux à gauche ne jamais m'arrêter, c'est-à-dire aller jusqu'à moins l'infini, et l'infini se note avec un 8 couché ainsi, avec le signe négatif, l'infini n'étant pas un nombre, puisque si l'infini était un nombre, on pourrait encore lui enlever 1 et on obtiendrait un nombre encore plus petit que lui-même, c'est-à-dire il contredirait sa propre définition. L'infini est un concept, donc on ne peut pas l'attraper. L'intervalle crochet est toujours extérieur par rapport à l'infini. De la même façon, si je voulais tous les nombres qui vont de 0, euh, on va changer ici, on va prendre 0, non compris, jusqu'à plus l'infini ainsi, eh bien, on noterait, donc, cet intervalle-là correspondait au rouge ici, le vert, mais eh on dirait, je pars de 0, 0 n'est pas compris, et je vais jusqu'à plus l'infini, l'infini n'étant jamais compris, crochet. Extérieur. Cette notation-ci représente l'ensemble des nombres réels tels que, ben, une seule condition, x doit être plus petit ou égal à 1. Celle-ci représente l'ensemble des nombres réels tels que x, une seule condition, doit être plus grand mais strictement cette fois que 0. Il est évident qu'on peut aussi écrire les choses avec une inégalité dans l'autre sens, x plus grand que 0 ou 0 plus petit que x, c'est la même chose, hein. x plus grand que 0 quand je le lis dans ce sens, x plus grand que 0 ou 0 plus petit que x, 0 plus petit que x.